Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir aujourd'hui la première séquence de mathématiques financières. Cette séquence s'intitule Les intérêts simples. On va voir aujourd'hui une partie de cette séquence, c'est les principes. Maintenant, je note ça. Intérêt simple. Voilà, principe. Première chose à voir, petit, par exemple, grand R, direct principe, voilà, la notion d'intérêt. On va voir. La notion soit une personne C qui paie à une personne B une somme d'argent pour une donnée déterminée. Cette opération de mise à disposition de D, un capital, entraîne un bénéfice qu'on appelle intérêt au profit de C. Je recommence. Soit une personne C, qu'on appelle C, par exemple Khalid, Ahmed, etc., qui prête à une personne B une somme d'argent et ce pour une durée déterminée. Voilà les données. Voilà, on va l'analyser. Cette opération de mise à disposition de D qu'on appelle le débiteur. Ça veut dire les khatifleus, terjem ghribi avec ce mot. Un capital, khatif capital, entraîne un bénéfice qu'on appelle intérêt. La contrepartie de l'eau, l'intérêt, au profit de C. Et un similaire, il m'a le créancier ou le banquier a dit bien mieux filmia les cartes fleuses, un ou le banquier qui se lève fleuse.
a dit la notion d'une façon générale d'il intérêt. Maintenant, on va voir deux. Alors, le sujet proprement dit, un jour où le capital placé à intérêt simple. Le capital est dit placé à intérêt simple. Lorsque ce capital reste invariable, il sera invariable durant toute la période du prêt. Voilà la définition de capital placé à intérêt simple. Et dans un mot, on a la technique. Des intérêts simples des intérêts simples est généralement utilisé pour les opérations ou les opérations financières à court terme. Ça veut dire, vous le savez ça, moins d'un an. Voilà. Voilà. Le capital placé à intérêt simple. Maintenant, on va voir la dernière chose. Au dernier point à voir dans ce principe des intérêts simples, on va voir qu'est-ce que c'est le taux d'intérêt. Il s'agit du montant Il s'agit du montant de l'intérêt rapporté par un capital de 100 dirhams. Ce taux s'exprime
un pourcentage. Exemple. Calculer l'intérêt rapporté par un capital, par exemple, par un capital de, par exemple, 4500 dirhams placés à intérêt simple pendant 3 ans par exemple à 9% l'an. Un marché, ben on calcule les intérêts. À la fin de la première mois, on a 35,9% multiplié par une première année. Deuxième année, c'est dit, on va aller au capital, 9%, 9%, ça veut dire les intérêts, ça veut dire 2550. L'intérêt, un step à la première année chanti 54,50,000 نضربوها في عام واحد نديرو الكالكول كتساوي 400 نفس الشيء نعاودو ولكن في العام الثاني والعام الثالث إذن à la première c'est tous les deuxième ainsi, et l'intérêt est égal à 4,050 4,050 4,050 شحال تعطينا
12150. إذن فوالا نديرو الطريقة. عندنا الحق شو مونطون قلنا شرحناها قبيلة. شو مونطون بو aussi être calculé de façon directe. Maintenant, on va le calculer direct. Indiro. باش نلخصو نديرو 4000 شحال مزانة نديرو في 3 وماشي تخرجنا 54 في 3 اجي 12150. لا كونكليزيون لي ماشي نديرو اذا لانتيري هنا باش تشمو عقلو ليها لانتيري اي ديريكتومون proportionnel au capital au taux d'intérêt et à la durée du placement. Voilà, on a terminé cette partie. La conclusion générale, c'est ça, j'écris, l'intérêt est proportionnel au capital, au taux d'intérêt et à la durée du placement. Ça veut dire, est égal à le capital fois le taux fois le nombre d'années. Yani la durée de placement. Et dans le prochain mois, on va voir la formule générale de l'intérêt simple. Merci de vos attentions. Jusqu'à la prochaine séance. N'hésitez pas d'abonner. N'hésitez pas de poser la question.